Un immense incendie à quelques mètres des avions. Ce parking de l'aéroport de Luton s'est embrasé hier soir. Dans le vacarme des alarmes de voitures, des détonations retentissent à mesure que les véhicules sont gagnés par les flammes. Aussitôt, les vols sont annulés. Certains passagers obligés de débarquer de leur avion prêt à décoller. On a attendu 2h30 et finalement on nous a dit tous les vols sont annulés. Personne ne va partir. Ma voiture est dans ce parking. Il va être entièrement détruit. Une centaine de pompiers est dépêchée sur les lieux. Quatre d'entre eux et un employé de l'aéroport sont hospitalisés. Le feu est finalement maîtrisé au milieu de la nuit. Jusqu'à 1200 voitures auraient été endommagées. Le feu s'est rapidement propagé à tous les étages du parking qui s'est partiellement effondré. Le trafic aérien à l'aéroport de Luton, qui dessert notamment la capitale britannique, a été entièrement suspendu. Il devrait reprendre dans l'après-midi.